Captain Nickel Academy. Et aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de vous accueillir une fois de plus pour un nouvel épisode sur Arc Battle. Et comme d'habitude, les amis, je voulais vous remercier énormément pour le tonnerre de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements. Merci beaucoup et surtout pour vos nombreux défis, les amis, que vous m'envoyez à travers les commentaires. Merci beaucoup. Alors les amis, la fois dernière, vous avez pu assister à une terrible bataille dans l'océan. Et aujourd'hui, on va retourner un petit peu sur la terre ferme parce que, tu vois, le sable de mon colisée me manque un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Et le sang des véritables dinos en dehors des océans me manque aussi, les amis. Oui, je sais que c'est un peu bizarre, mais bon, il faut être un petit peu dans l'ambiance du truc. Donc t'inquiète pas pour ça. Donc les amis, aujourd'hui, vous étiez nombreux à me demander d'avoir un affrontement entre le golem et le gigantosaurus. Et les amis, ça va être chose faite. J'ai hâte vraiment d'assister à cette terrible bataille, les amis, parce que le golem est très fort, le gigantosaurus aussi. Vous avez vu comment, regardez, ça faisait bizarre. On se croirait dans un film de marathon, tu vois ce que je veux dire? Cours, Forest, cours! Non, ça n'a rien à voir, c'est pas un film de marathon, je sais, merci. Je reprends avant que vous ayez écrit votre commentaire. Donc, les amis, j'ai l'honneur de vous dire qu'aujourd'hui, on va assister à un affrontement entre 20 cailloux et 10 gigantosaurus. Alors oui, vu comme ça, on dirait qu'il y a une modification de l'arène. Mais non, je vous rappelle que les golems, par défaut, quand ils dorment ou autres, hein, quand ils sont en... en pause, ils sont tout simplement sous forme de rochers. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, et ben, il y a beaucoup de rochers. Il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de cailloux. Donc, ce sont bien sûr les golems. Donc, j'ai choisi tout simplement 20 golems contre 10 gigantosaurus. Regardez-moi ça, comment ils sont magnifiques. Ils sont déjà enragés avec leurs yeux. Ils font peur, ils font très peur. Faites très peur. Vous m'avez manqué quand même, les pépères. Vous m'avez manqué. Donc, les amis, avant toute chose, on va prendre quand même une petite vue aérienne. Voilà, et on s'envole, les amis. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien sûr les gigantosaurus, donc les 10 gigantosaurus qui sont bien entourés des 20 golems. Rock Elemental, si vous préférez, hein, de leur vrai nom. Mais je préfère quand même golem, tu vois, ça pèse. Et bon, le mot golem est quand même bien plus connu, hein, on va pas se mentir. Donc voilà ce que ça donne. On a l'impression qu'il y a une modification de l'arène, mais en fait, non, hein, c'est vraiment les golems qui sont tout simplement camouflés. Alors, pour le coup, il faut savoir que normalement, un gigantosaurus est plus fort qu'un golem. Normalement, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il a bien évidemment plus de golems que de gigantosaurus. Mais ils sont en grand nombre. Et donc, deux fois plus nombreux que les gigantosaurus. Donc, ça ne veut peut-être rien dire. On verra bien. Écoutez-moi, pour le moment, je parie quand même sur les gigantosaurus. Hein. On connaît vraiment leur agressivité et on peut dire que ça envoie du lourd. Donc, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le premier round? Et c'est parti, les amis. Waouh! Oh, les gigantosaurus, ils vont directement chercher les golems. Oh my god! Oh my god! C'est la bataille! On n'avait jamais vu autant de golems! Waouh! Oh, 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 c'est un délire! Oh là 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 là! Eh, ça tremble de partout, les gens! Ça tremble de partout! Alors, pour le moment, il n'y a aucun mort. Pour le moment, il n'y a aucun mort du côté Gigantosaurus et golem. Et il y en a quelques-uns qui sont encore camouflés. Alors, ça se passe plutôt... Alors là, j'arrive pas à dire. Parce que là, on voit quand même des gigantos qui sont en train de saigner. Et regarde, il y a des golems qui sont en train de sortir de pierre. Ils viennent tout simplement aider leurs potes et ils sortent de terre et non de pierre, Furious. Ah, mais bon, c'est trop de cailloux. Voilà, je suis en train de perdre mon langage. Tu vois ce que je veux dire? Oh my god, j'en perds les mots. C'est incroyable. Eh, mais ça fait que trembler. T'as l'impression que le jeu, il est passé en mode vibreur là, tu vois. Oh, wow, mais c'est un truc de malade. Mais ils se défendent super bien en fait, les golems, c'est un truc de malade. Alors ils attaquent pas du tout à distance, mais en même temps, hein, vu l'attaque de mêlée hein, que font les gigantosaurus, forcément. Alors pour le moment, ils s'en sortent plutôt bien, les golems. Eh là là, mais là, eh. Attends, je vais avoir tort. Non, mais attends, les golems, ils vont gagner. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je tiens à vous le dire quand même que les golems font beaucoup moins mal et ont beaucoup moins de points de vie que le gigantosaurus, hein. Mais bon, vu qu'ils sont un peu plus nombreux, c'est vrai que ça peut changer la donne. Alors, à mon avis, il y a dû avoir des morts côté golem. Gigantosaurus, pour le moment, ça a l'air de... Ah ouais, regardez, voilà, on voit des golems qui sont en train de mourir. Mais ils se débrouillent bien. On va pas se mentir, ils se débrouillent très très bien. Mais il y a quand même encore 3 golems qui sont toujours camouflés. Ils se font dessus. Regarde, tu les vois, les 3 cailloux, là. Ils ont pas envie de se battre. Et ils se disent, non, c'est mort. Moi, je préfère, hein, jouer le lâche et rester en vie. Je reste caché, tu vois. Il est parti en mode hide and seek, les 3 cailloux, là. Oh my god, c'est incroyable. Eh hey, mais ça saigne, hein. Il y a du sang, les amis. Il y a du sang quand même, hein. Les golems se débrouillent très bien, hein. Ils se débrouillent très très bien. Regardez ces 3 golems. Je me demande là s'il va mourir Gigantosaurus. Est-ce qu'il va y avoir au moins un Gigantosaurus qui va mourir ou pas? Ouh là là, ça va être chaud. C'est mal barré. Lui là-bas, je pense qu'à mon avis... Attendez, on va aller par là. Oh là là, encore un golem au tapis. Oh, un deuxième là-bas. 2 golems au tapis, mesdames et messieurs. C'est incroyable.
Oh là là, Gigantosaurus font trop mal. C'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Oh, ils ont tué un Gigantosaurus. Et ça y est, les golems ont au moins prouvé, vous savez, ils sont capables surtout de tuer. Oh, deux. What? Ils viennent de tuer un deuxième Gigantosaurus. Énorme. C'est énorme. Bon, là par contre, lui là-bas, il est mort. Là là, les deux là-bas, ils sont morts. Un Gigantosaurus contre deux golems. Et là, c'est du 1v1. Et à mon avis, c'est mal barré. C'est très mal barré. Alors, on a vu quand même des jets de cailloux. Il y en a un petit peu, mais j'ai un peu du mal à suivre. Je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en même temps, ça tremble tellement que j'en perds les mots. T'as pu le voir, hein. T'as pu le voir. Hein. Regardez là-bas. Oh, bon, bah c'est bon, bah au moins c'est réglé. Voilà, ça y est, c'est terminé. C'est la fin. Les Giganotosaurus remportent cette victoire, c'est sûr. Regardez, c'est sûr. Voilà, ils vont terminer le dernier golem. Oh là là, dommage, il était sur le point d'en tuer un autre. Et c'est mort. C'est foutu. C'est la fin pour le golem. Il va tomber et il va se faire dévorer. Oh non, il y en a. Oh, ça y est, les trois autres se réveillent. Ils vont venger leur frère. Ils se lèvent et ils affrontent les Giganotosaurus. Mais ils auraient dû se lever bien plus tôt. Parce que là, du coup, c'est un peu tard. Hein. Ah, il y en a un là-bas, il est tout neuf. Il est tout propre. Il est tout propre. Là, il y a beaucoup de Giganotosaurus d'occasion là. Ils sont bien en sang. Mais ils se débrouillent quand même. Ils se débrouillent. Ils sont plutôt bien partis, mais ça devient un peu chaud. On va pas se mentir, là ça va être très chaud, ce qu'il va y avoir Giganotosaurus qui va mourir, ou alors c'est les trois golems qui vont mourir d'un coup. Ah, je sais pas, on n'en sait rien à vrai dire, on va le voir tout de suite les amis. En tout cas, il y en a un là-bas, il s'en fout, hein. Il a décidé de plus combattre, il a dit non, c'est bon, moi j'ai assez fait mes dents sur des cailloux comme ça, j'ai plus qu'à aller chez Dentiste derrière. Oh là là, eh, mais les golems ils tankent bien quand même, hein. Parce que les Giganotosaurus ça fait super mal, hein. Bon, les deux font mal de toute façon, les deux font la paix, hein. On peut dire ça comme ça. Regardez-moi ça, c'est incroyable, ça saigne, hein. Il y a du sang, hein. Sur les golems, c'est un peu plus dur, hein, mais on voit bien les fissures. Oh, un golem vient de mourir. Il ne reste plus que deux. Oh my god, ça sent la fin. Ça sent la fin, mais... Eh, il y a trop moyen qu'il meure, celui-là. Oula, je le sens pas. Et voilà, le deuxième golem est mort, et il n'en reste plus qu'un. Et c'est la fin. Et ils étaient sur le point, peut-être, de tuer un deuxième Giganotosaurus. Mais voilà, c'est fini. C'est terminé, les amis. Victoire au premier round des Giganotosaurus. Alors, on sent, par contre, hein. Il y a des traces. Hein. Oh, what? Attendez, on va prendre la Manifingless. On va voir un petit peu s'ils ont pris un petit peu cher ou pas. Oh, 500 HP. Oh, oui. Ah, ils ont pris quand même très cher. Sauf lui, là-bas. Lui, là-bas, il s'est dit non. Moi, je fais rien. Voilà, donc regardez les points de vie. Oh, jolis yeux. Regardez un petit peu les points de vie des pépères. Donc oui, c'est toujours des dinos level 1. Hein. Je fais toujours des combats level 1 en général. Sauf si normalement, quand ça spawn comme la super dinde, elle était level 500. Enfin voilà, je la mettrais 500. Mais là pour le coup, c'est que du level 1. Lui, il s'en est bien tiré. Le rouge, là, je voulais voir le rouge un petit peu. Le rouge, ah ouais, le rouge, il était pas loin de mourir. Mais alors lui, il a eu vraiment de la chance. Un peu plus, il est passé. Et ben voilà, les amis. Attendez, on va compter quand même combien il reste de Giganotosaurus. Donc 2, 3... 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il n'y a eu uniquement que 2 morts côté Giganotosaurus. Et bah bien sûr 20 morts côté golem. Et bah écoutez, c'était coton, hein. Ça aurait été 10 golems de plus. Je pense que ça serait mal fini pour eux, je pense. Mais on va tout de suite le voir. On va ajouter 10 golems de plus et on va rester à 10 Giganotosaurus, bien évidemment. Donc je vous dis à tout de suite, les amis. Ok, les amis, nous sommes de retour. Et nous venons toujours. Et c'est quand même mieux, hein, pour voir un petit peu en vue aérienne de tout ce qui se passe dans l'arène. Donc, les amis, en face de nous, nous avons 10 Giganotosaurus, toujours. Mais par contre, au lieu d'avoir 20 golems, nous en avons 30. Voilà, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, je pense, à mon avis, que les golems. Au moyen, je dis bien, de gagner. Mais je vote pour les golems. Voilà, je pense qu'à mon avis, là, ils ont moyen d'y arriver. Étant donné que vous avez vu, hein, le round précédent, on a pu assister quand même à une bataille terrible. Et Giganotosaurus était sur le point de mourir. Et là, on a 10 golems de plus. Je sais pas, parce que les Giganotosaurus font des bons dégâts groupés. Puis ils ont l'effet rage aussi également qui peut changer la donne. Donc on verra bien. Écoutez, les amis, attention. Et c'est parti, les amis. Les Giganotosaurus se dirigent vers les golems. Mais attention à ce que tous les golems vont sortir de terre. Et oui. Ah non. Ah non, un par un. Apparemment, ils y vont un par un. Et waouh, c'est le lancement de cailloux. C'est la pétanque. Waouh. Alors là, les amis. Je vous dis ça en secret, mais je pense que les Giganotosaurus sont mal barrés. Que les Giganos sont mal barrés. Voilà, on va dire Gigano, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient chaud patate. Oula, il y a de la rage. Vous avez entendu? Ça rage.
Les gigalos sont en train de rager complètement et ils vont faire beaucoup plus mal. Alors là, mais... je comprends plus rien! Oh my god! Et tous les golems ne sont pas sortis de terre, les amis. Tous les golems ne sont pas encore sortis. Il en reste à peu près 5. Et ça tremble de partout et on ne comprend rien. Mais à mon avis, là, les golems, ils ont gagné. Ah ouais. Oh là là, les tourniquets qu'ils nous font là. Oh là là, regardez ce côté-là. Ça saigne. Ça saigne de partout. On a un gigano qui va mourir et on entend encore des giganos rager là-bas. Mais je me demande si ça va être suffisant, je pense pas. Oh non, à mon avis. Oh là là, et hop. Un gigano en moins, ça c'est réglé. Allez, un deuxième. Hop, un deuxième. Attention, un troisième. Oh là là. Oh là là. Oh, j'aimerais pas être au milieu là. J'aimerais pas être au milieu. Oh my god. Alors, est-ce qu'il y a eu des golems morts? Ah là, je pourrais pas dire, mais... Oh là là, il y a un quatrième qui est mort là-bas. Allez hop. Ça c'est fait. Ça c'est torché. Alors là, c'est bon. Là là, je pense que... On n'a pas besoin de dire qu'il en faut plus de 30. Hein. Là, ce deuxième round est amplement et largement remporté par les golems, les amis. Regardez-moi ça, les lancers de cailloux. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh là 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 là. Oh my god. Oh là là, tout ce qui se prend. Et voilà, les amis, la victoire des golems. Waouh, impressionnant. Impressionnant, tous les golems qu'il y a. Ils vont tous se poser pour se retransformer. Voilà, tranquillement. Ni vu ni connu. Et ben voilà, les amis, round 2 remporté par les golems. Donc ça fait un partout. Et on va tout de suite, du coup, les amis, lancer le troisième et dernier round qui va tout simplement nous annoncer le véritable vainqueur. Alors, à mon avis, je pense que là, on peut se permettre de dire que je verrais bien un affrontement entre 20 golems et 8 gigantosaurus. Voilà, on va voir. On va voir. Ça fait 2 de moins quand même. Hein. Ça peut tout changer. Donc, les amis, je vous dis. A tout de suite. Et les amis, c'est parti, nous sommes de retour pour le dernier round. Et cette fois-ci, nous avons affaire à 20 golems contre 8 gigantosaurus seulement. Et non pas 10 comme le premier round, donc 2 de moins. Donc peut-être que ça va changer la donne. Et moi, aussi étonnant que ça peut l'être, les amis, je pense que les golems vont remporter ce round. Donc les amis, on va voir ça tout de suite, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti, les amis. Donc, comme d'habitude, les giganos se dirigent vers les golems. Et les golems, regardez, sortent comme des dominos. À la queue de nœud. En serpenting. Et là, donc, waouh. Lancement de cailloux, quand même. Les golems lancent quand même des cailloux, même en étant le plus près possible des giganos. Mais bon, pour l'instant, c'est moyennement parti pour les golems. Parce que, regardez, il y a 2 golems qui sont pas encore sortis. Mais ça veut rien dire, parce que tout à l'heure, on avait quand même 3 golems. N'était pas encore sorti. Alors, bien entendu, encore une fois de plus, la rage des giganos. Donc, ça, c'est pas bon signe pour les golems. Parce que les dégâts, bien sûr, sont augmentés. Et ça saigne. Ça va saigner sévère. Là, je fais une vue. Je vais me ramener là-bas. Parce que regardez, là-bas, là, ça saigne un petit peu là. Oh, wow, les lancements de rochers. Laisse tomber. Le délire. Ah oui, je dis caillou. Hein, je sais, on peut dire rocher aussi. Mais moi, je dis caillou. C'est plus marrant. Oh là, c'est la rage. Ça rage là. À mon avis, c'est bien parti dans cette zone-là. Pour avoir des giganos morts. Allez les golems, vous pouvez le faire. Vous arrivez bien à tuer des alpha wyvern. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à tuer les giganos? Oh les shit. Oh là 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 là. C'est mal barré. C'est mal barré parce qu'il y a déjà eu des golems morts, il me semble. Oh, premier gigano à terre. Premier gigano à terre par les golems. Et là ils vont achever le gigano de couleur vert. Ils sont vraiment bien partis en fait hein. Ils se rattrapent, ils se rattrapent, ils peuvent le faire. Oh yeah, oh là 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 là. Lancement de cailloux, très intelligent. Avant que le gigano justement fonce sur les golems. Oh là là, ils sont vraiment bien partis hein. Oh, truc de mal. Et vous avez vu la nuance de couleur qu'on a là? On a une petite couleur à gauche et une couleur négative à droite. Oh là là, il y a plus de 3 giganos. Ah, ils sont morts. Ils sont foutus. Ils sont foutus, ils sont terminés. Et il y a des lancements de cailloux. Regardez, c'est à la queue-leu-leu que les golems viennent se battre contre ces dinos. Et vont-ils y arriver? Il y a toujours les 3 golems là-bas qui sont pas encore sortis. Mais bon, apparemment. Oh, il y en a même 2. Regardez qu'ils sont recouchés quoi. What the fuck. Ah mais genre normal quoi. What the fuck. Il y a 5 golems qui sont du coup enterrés. Ok, au calme. Au calme. Alors est-ce qu'ils vont y arriver, j'ai droit? Je pense pas. Franchement, ça va être chaud patate. Regardez-moi ça. En plus, les golems à l'arrière font un petit peu les archers hein. Ils envoient des rochers à la face des giganos. C'est bien. Ils attendent pas pour rien. Ils font pas comme les 3 autres là-bas et les 2 autres là qui sont camouflés. Oula, à mon avis, ceux-là ils vont se camoufler. Ils font plus rien, ça y est. Regardez. Ah non. Ils en balancent quand même des rochers. Bang. Ça rebondit. Ça rebondit un peu n'importe où, mais ça rebondit. Et le golem qui est ici tank hein, toujours hein. Il a quand même 2 giganos sur lui, mais il tank, il tient le coup. J'ai envie de dire GG à lui, et voilà. Il en reste plus que 2.
Il en reste plus que deux et à mon avis, ça va être la victoire. Ah ouais, clairement, là, à mon avis, ça va être la victoire. Ah, il y en a là-bas, il attaque en Bluetooth. Il attaque à au moins 3 mètres du Gigano et apparemment, il le touchait. Donc, what the fuck. Bon, les rochers, là, servent un petit peu à rien. Là, ils vont limite dans la foule. Heureusement qu'il n'y a pas de foule, d'ailleurs. Parce qu'il y aurait beaucoup de morts, à mon avis, mais bon. Depuis le début de cette série, hein, à mon avis, il y aurait beaucoup de morts, mais bon. Donc, les golems ont l'air de tenir. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Hein. Là, on est d'accord. Oh, il y a deux golems qui viennent de mourir. Hey, ils se battent jusqu'à la mort, hein, c'est bien. Respect quand même. Il y a quand même le respect. Oh là 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 là, les délires. Mais c'est là que tu te rends compte que le golem, c'est un peu le Giganotosaurus de DLC de Ark. Hein. Un petit peu quand même. On va pas se mentir. Hein. Il peut même tanker tranquillement un Rex, donc ouais, c'est un peu le cas quoi. Attention, ça fait mal. Ça fait très mal. Il reste plus que un Gigano et il est mort, c'est sûr. Ah, c'est sûr, là il est foutu. Ouais, voilà, c'est terminé, les amis, les golems ont remporté ce duel. Alors, effectivement, ils sont beaucoup moins, enfin, beaucoup plus nombreux, au contraire, que les Gigano hein, de base. Mais en même temps, c'est un peu logique parce que de base, dans les stats, vous pouvez aller voir également sur le wiki, les golems sont plus faibles que les Gigano. Et bah, écoutez, les amis, c'est tout pour cet épisode Ark Battle. Voilà, donc, en plus, les golems, regardez, ils vont se coucher. Voilà, c'est bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hein, et puis, basta, regardez, n'empêche, le camouflage, il est vraiment très bien fait. Bon, même si c'est toujours le même rocher, mais c'est quand même très bien fait quand même de base. Et les golems, donc, ont pu prouver leur valeur. Voilà, donc les amis, c'est tout pour ce Ark Battle. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à voter à travers les commentaires pour le prochain défi que vous aimeriez voir sur Ark Battle. Merci à tous de m'avoir suivi, c'était FioJumper. Et je vous dis à très bientôt. Et regardez cette fin que je vous fais là, en mode, tu sais, comme quand tu vois les trucs sur France 3, ce que tu veux, tu vois. Salut les amis.